Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 155e vidéo de mission sur Final Fantasy VII Crisis Core. On s'attaque aujourd'hui à la mission Unité Mobile, donc mission avec aucun coffre à récupérer, un petit peu radin je dirais, et donc une mission de catégorie très facile si vous êtes niveau 49. Donc là on va faire marche arrière tout de suite pour pouvoir tomber sur le mur transparent et vous avez le boss qui est un tout petit peu plus loin. Dans l'ensemble, pardon, c'est toujours la même rengaine. Un ennemi du Wutai un petit peu plus corsé toutefois, qui va tomber sûrement en un seul coup, mais bon, qui est un petit peu intéressant quand même pour le niveau où on est à ce stade du jeu. Enfin, je sais pas en fait, je sais pas si la plupart d'entre vous, quel niveau vous êtes, si vous êtes déjà niveau 40 et quelques, ou si vous êtes niveau... Enfin, c'est sûr que si vous enchaînez toutes les missions au fur et à mesure que vous les débloquez, vous êtes environ à peu près au même niveau que moi, voire largement plus. C'est possible aussi. Donc là, du coup, j'attends qu'en physique, hein, directement, bonne étoile en plus qui s'enclenche alors que j'ai fini mon combat. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc le boss, il est pas très loin d'ailleurs, on devrait pouvoir l'enchaîner directement, je sais pas trop comment ça va se passer. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Donc voilà, donc en plus je suis en excès, donc ça tombe bien. Je vais pas pouvoir faire de points vengeurs. Donc là, vous attaquez en physique, ça faisait longtemps que j'ai pas mis beaucoup d'attaques physiques comme ça. Donc voilà, en quelques coups ça se termine, même si vous critiquez, hein, enfin si vous mettez des coups, si vous mettez des coups critiques. En fin de mission, vous chopez un bracelet de diamant. Ça, je me rappelais à quoi ça correspondait, mais maintenant j'ai oublié. Donc je vais vous remontrer ça tout de suite. Hop. Dans les équipements, le bracelet de diamant. Bracelet de diamant. Bracelet de diamant. Donc le bracelet de diamant, c'est magie et psy plus 10. Et protège contre poison. Donc voilà pour cette 155e vidéo de mission sur Final Fantasy VII Crisis Core. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez bien évidemment surtout pas à poster un commentaire ou à m'envoyer un message privé, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve tout de suite pour la prochaine mission de cette catégorie.